l'Italia a décidé de convoquer pour la première fois la famille du reste du monde. Ensemble, ils n'auront qu'un objectif, prouver qu'ils peuvent devenir une véritable famille et être plus forts et solidaires que jamais pour impressionner la grande famille des Marseillais lors de la compétition qui les opposera à eux cet été. Cet été, on va bouffer quoi ? Mais avant d'en arriver là, ils savent que le chemin sera long et semé d'obstacles. J'étais pas forcément venu pour souffrir. Vous inquiétez pas. Seront-ils capables de se motiver et de préférer l'entraînement intensif au farniente et à la fête ? Un peu sérieux, s'il vous plaît. Rien n'est moins sûr. Non, mais on est en fun, là. On est en mode détente. Y a pas de détente, Nicolas. Pour leur apprendre à se dépasser et à être combatifs, chaque semaine, le reste du monde sera mis à l'épreuve. Ils devront passer des évaluations sportives. Allez, Alexia, tu peux le faire. Des évaluations intellectuelles. Ouais. Oui. Quel est l'acronyme du reste du monde? Oh, ça va trop vite, frère. Des évaluations professionnelles. Pas de rayures, hein. Bien propre. Et rien ne leur sera épargné, car en fin de semaine, seuls les meilleurs d'entre eux, deux filles et deux garçons, pourront postuler pour devenir chef de famille. Je peux prouver que j'ai les épaules pour être chef. Un rôle très convoité, qui rime avec responsabilité, car ce sont les chefs élus qui auront la lourde tâche d'éliminer le maillon faible de la famille. Un choix difficile qui peut leur attirer les foudres de leurs petits camarades, mais qu'ils devront assumer. C'est hypocrite, je suis pas d'accord. C'est quoi le rapport avec Paga et Adixa? Mais ce n'est pas tout. Pour que le RDM devienne une famille, ils vont surtout devoir apprendre à être solidaires et à se faire confiance, à accueillir de nouveaux membres sous leur toit, que cela soit une bonne ou une mauvaise surprise. Il y a sosie à Mila ! T'as le culot de me parler de Mila ? Je suis ici pour toi. Je veux plus souffrir, tu comprends ? Hé là là, c'est joué avec mon cœur ! Pourquoi tu me parles d'elle ? Tu seras toujours la maîtresse de toi, jamais la femme. Mais bien sûr. Là, je veux pas de guerre, on est là pour créer une famille. Une nouvelle aventure explosive qui risque bien de bousculer le reste du monde et qui peut à tout instant se transformer en véritable enfer. Mais ils ne devront rien lâcher car se battre pour y rester jusqu'au bout en vaut la peine. Mais avant d'en arriver là, le RDM n'est pas au bout de ses surprises. Vous allez pas faire une aventure, ça allait rater quand même. Aïe, oh, c'est pour Paga. Greg, Bébéo, duo. Entre les blessures du passé. Qu'est-ce que tu m'as fait, ça suffit ! Si ça te va pas, c'est terminé. Elle se rend pas compte et elle continue. Les trahisons. Tu manipules les gens. Et les règlements de compte. Mais tu veux quoi ? Bah dégage, espèce de poulet. L'ambiance de ce training pas tout à fait comme les autres pourrait bien s'annoncer électrique. Me cherche pas, je te le dis, me cherche pas. La vie. Mais heureusement, l'amour est lui aussi du voyage. J'arrive pas à exprimer vraiment ce que je ressens pour toi. Plus j'avance dans cette aventure, plus je me rends compte que cette fille, c'est une évidence. Alors c'est ensemble et dans la bonne humeur que le RDM va apprendre à devenir une véritable famille. L'amour triomphe toujours. À l'issue de cet entraînement, tous ceux qui auront eu la chance d'être nommés chef du RDM durant l'aventure s'affronteront lors de l'ultime combat. Le reste du monde n'a jamais eu de chef, il a toujours eu un roi. Et c'est moi. Wow. Qui fera ses preuves et sera capable de s'imposer comme chef de famille incontesté du reste du monde? Oui. Qui sera éliminé de l'aventure et n'aura pas son mot à dire? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Objectif, reste du monde. Lundi 17 mai, 18h50 sur W9, Inédit, découvrez Objectif Reste du Monde.